For centuries, the Congo has supplied raw materials to the rest of the world. Congo's wealth is immense. The estimated value of its unexploited minerals is $24 trillion, dwarfing the GDP of both the United States and the EU. Kanina is a neighborhood in the city of Kolwezi, inhabited mostly by miners. During Belgian colonial rule, the Union Minière du Haut-Katanga is born, the country's biggest mining company. Following Congolese independence, the company was nationalized under the name Gécamines. Decades of mismanagement and government interference followed, as did a wave of restructurings. Its most qualified managers and staff departed, with Gécamines hemorrhaging expertise and piling up losses. Foreign mining groups swooped in to buy massive concessions, lining the pockets of a few at the expense of many. From among the vast pool of ex-Gécamines workers, foreign multinationals have their pick of qualified and extremely cheap labor. With the fall of Gécamines a near certainty, the government now promotes artisanal mining. It grants locals access to scattered sites where they can extract leftover minerals. Les autorités ont trouvé nécessaire que la population qui vit dans une zone minière pouvait exploiter artisanalement pour pouvoir vivre. C'est ainsi que cette activité a dû commencer déjà vers les années 98-99. Nous avons des carrières minières artisanales qui sont disséminées autour de Kolwezi. Dans ces carrières, il y a des sociétés minières qui sont en train de racheter cette production. Il y a une certaine friction entre l'exploitation industrielle et l'exploitation artisanale. A good day in the mines means you might earn a few dollars, risking your life. Les artisanaux miniers qui produisent des minerais sur des concessions les revendent soit sur les concessions en question aux sociétés qui travaillent sur les carrières, ou bien il y a des minerais qui sont acheminés au niveau du centre des négoces. Elle vient ici se chercher de quoi manger pour la maternité. Et c'est qu'il y a de l'uranium. Donc elle vient faire le travail à risque parce qu'elle n'a pas d'autre choix aussi. For the men, women, and children who toil in these open pit mines, the dangers are everywhere. The earth is unstable, the groundwater highly toxic. It's one massive radioactive lake of heavy metals and uranium. Even the mosquitoes keep their distance. Asked about health and safety inspectors, the workers just laughed. Comme les femmes, elles ramassent ceci, c'est les produits mais des poussières. Et là où on avait travaillé, on avait tamisé, il est resté des poussières ou les déchets. Elles, comme des femmes, elles ne sont pas à mesure d'aller creuser
ou d'aller en profondeur dans les trous. Elles font leurs efforts pour trouver ces poussières, là où on avait déjà tamisé avant. Elles prennent ça, elles amènent à des différentes maisons ou pour avoir le chiffre. Qui l'achète? Non, Zach. À la maison. Les Chinois qui gèrent la maison. Ils ont la maison pour acheter tous les produits de Kolwezi. Ils achètent et puis ils mettent dans les tracts, ils vendent à l'extérieur du pays. Je suis pas à 1000 francs, je n'ai pas. Alors, elle a son bébé de plus ou moins des semaines, mais jusque-là, elle vient de gagner 1000 francs depuis le matin. Et c'est cet argent qu'elle veut utiliser pour manger, pour nourrir le bébé. Donc la situation est un peu difficile. Bwanayako, Arafanya Kajikan. Moulengamo. Son mari s'occupe de ce même travail. Moussaïa Natimboulak. Son mari, lui, est creuseur, donc il doit entrer dans les trous. Cobalt commands an even higher price than copper in international trade, maybe because it's so dangerous to extract. Artisanal miners burrow deep shafts into the earth for this precious metal. Their take? A few dollars a day. Au niveau du Katanga, Kolwezi, c'est un grand centre d'attraction. Nous connaissons un grand afflux de la population en provenance de toute la République et même des gens en provenance d'autres pays qui viennent ici. Et quand on est à Kolwezi, l'activité principale, c'est l'exploitation artisanale. Ici, on extrait du cobalt. Parce que nous travaillons dans une terre qui est vraiment très sablonnée. Il y a beaucoup de sable. Il y a eu un éboulement. Il y avait des creuseurs qui sont morts ici. We need copper, cobalt, and tantalum to build things like jet engines, long-life batteries, and electrical circuits. These minerals are found here in great quantities. They power our digital age. La ville de Kolwezi a une grande importance sur le plan mondial. Beaucoup de sociétés multinationales qui évoluent dans le monde ont comme source d'approvisionnement le Congo, le Katanga et en particulier Kolwezi. Tout le monde, à travers le monde, a un téléphone cellulaire. Ce téléphone cellulaire fonctionne à base de minerais qui sont exploités ici au Congo. On doit comprendre qu'il y a une exploitation du cuivre qui s'est fait quelque part, et c'est parce que justement on est en train d'utiliser ce cuivre dans l'installation du courant électrique en Europe et dans le monde, évidemment. Le cuivre, le cobalt et d'autres métaux qui sont exploités ici alimentent l'économie à travers le monde. In this setting, a few NGOs operate, the Good Shepherds among them. Their mission is to help families of artisanal miners, particularly women and children, quit the harsh life of the mine and build a new life. When we started visiting the families in the beginning when we came, we met many women who were in their families and they were idle. Most of them explained to us they work in the mines. Many children have watched both of their parents die in the mines when the house collapsed. Je réponds au nom de Kayimbom Sapan, Charles. Je travaille au carrière. Nous entrons dans le trou.
aux profondeurs, même aux 12 mètres. So that's why they decided we can do something else instead of going to the mines. Moi, c'est Pascal Bukengere, manager du projet pour la protection de l'enfant dans le programme Bon Pasteur Kolwezi. La population se donne surtout aux travaux miniers. C'est ainsi que vous trouverez qu'il y a beaucoup d'orphelins parmi les enfants que nous avons ici. Il y a beaucoup d'enfants qui vivent dans les difficultés, dans les vulnérabilités vraiment exagérées. This is Morgan. He worked in the mines alongside his father and his siblings. J'avais parti à la carrière, il y a les bléments. Je travaille par jour, je trouve même des mythes. Si je pars là-bas, il y a beaucoup de bléments, les gens mourent là-bas. Ce n'est pas bien pour partir à la carrière. La carrière, c'est terminé maintenant. Je commence à étudier, je suis maintenant bien. Je commence maintenant à lire et à écrire, je connais maintenant. On a enseigné même les droits de l'enfant. L'enfant a droit de bonne santé. L'enfant a droit d'aller à l'école. Tous les enfants sont égaux. L'enfant a droit à l'école, c'est-à-dire quoi? This center began because of child protection. We wanted to protect children from going to the mines. À la manger, qui va corriger? Il dit l'enfant a droit à la manger. Donc nous allons d'abord construire l'espérance, la justice et quoi? Et la paix. When we came the first day in Kanina, we were visiting families. So we met so many children who are not going to school. The children were telling us, our parents say, we have no money, so they were not going to school. You see, nous avons à peu près 965 enfants qui sont venus, que nous avions ramassés dans des carrières minières. When we began, it was difficult for the children because when the teacher is teaching, many children were fainting. So after some research, after visiting the families, we discovered that they are fainting because no food. Nous avons constaté qu'il y a les autres qui se nourrissent uniquement de la bouillie qu'on leur donne ici au CPP. Auparavant, les enfants mangeaient une fois par semaine, mais actuellement, on prépare chaque jour. Là où il y a les points, on s'arrête. Là où il y a la virgule, on respire un peu. On prend une petite pause. C'est pour ça qu'on fait la lecture. La poignée de poussière. Dans un village vivait un homme riche. This is a place that people have come to know the value and dignity of life. The children know that the mines are equate to death. And the children now refuse to go to the mines.
According to UNICEF, 42% of Congolese children between 5 and 14 make up the country's informal labor force. At the Good Shepherd Informal School, there are nearly 1,000 students enrolled. They are the lucky ones. Thousands more like them can be found in the mines. Constater qu'il y avait beaucoup d'enfants, il y avait surpeuplement des classes. C'est ainsi que nous nous sommes dit, nous nous sommes réunis avec tous les parents, nous nous sommes dit qu'est-ce que nous pouvons faire. Et ainsi, nous nous sommes cotisés et les maçons ont commencé à construire. Donc, tel que vous le voyez, les bâtiments est déjà fin prêt, les enfants y étudient. Donc, les parents se sont appropriés du projet. Et c'est ainsi que les parents se donnent. Et dès qu'on lance quelque chose, en tout cas, cette fois-ci, ils répondent spontanément. Despite living hand to mouth, the families collected the equivalent of $3,500 to build new classrooms for the students. Notre objectif, c'est basé surtout sur la vie de ces enfants dans le futur. Cette communauté, dans l'avenir, sera un miroir dans ces pays et nous aurons de bons témoignages à travers les enfants que nous encadrons, à travers la communauté avec laquelle nous travaillons et pour laquelle nous travaillons. Je dis et je vous remercie. So the school is really a symbol of life in the community. This happens to be the only school that is free in the area and where children are having a meal a day. Children are happy, they talk on the road. They are not the children that we saw with hollow faces when the center began. Many of the women and girls here were once stuck in the mines. Today, they found a way out, a path to dignity and new life. Je m'appelle Madame Gertrude Tamboué. Je suis manager du projet de l'autonomisation économique de la femme, EEP. Nous avons au total 130 filles inscrites cette année. On a vu que les femmes sont victimes de beaucoup de violences. C'est pour ça que nous avons, avec les Sœurs de Bon Pasteur, installer ce projet pour les femmes et pour les jeunes filles. Donc nous apprenons aux femmes l'alphabétisation, la coupe et couture. Nous faisons les AGR qui les aideront à se prendre en charge parce qu'au moment où ils se prennent en charge, la violence va diminuer. Je ne peux pas dire tout simplement que c'est le travail parce que nous sommes en train d'aider la communauté et les filles. Concernant les cours que je suis en train de donner, c'est l'éducation à la santé. Parce que nous savons bien que la santé n'a pas de prix. Nous devons quand même avertir la communauté et sans oublier aussi nos enfants. On ne peut pas trouver cette maladie autrement. Donc ça ne s'affecte pas généralement au niveau là du corps, partout dans les corps. Ça s'atteint uniquement au niveau de l'appareil génital. Vous avez compris, hein? Oui. Parce que nous avons dit d'abord que c'est une maladie qui est sexuellement transmissible. Raison pour laquelle nous devons commencer à connaître d'abord certaines maladies pour que nous puissions commencer à faire quoi? À éviter. Na pardon, pasteur, tu n'as déjà pas bien tout mingi sana. Tu n'as shona, tu n'as shuka, tu n'as pas ma bien tout mingi kwachana, tu n'as pas ma confiture, tu n'as pas ma yaourt, tu n'as pas ma croquant. Ma savon, na kuya kushona na kushuka, vile tusaidia sana maisha yetu hapa sasa. Na tu unapata kuna makuta vile tunaya kushona. Atupeleke tena mabintu batayor hapa. Na chumye tunakua batayor kupitia kui bon pasteur. Tunabaremercie sana ba bon pasteur. Mwafu wa hiko. Nilikuwa mkariere jaza kutumika kazi ya maibwe. Aseri nchokesha pale minu na wangambu wangu wa balabala. Eko na kuya kui masomo. Njyo miru mwambia na sema pana na mie mitenda kuandikisha kumwaka. Ndio pale nilikuja huku kumwaka na kuandikisha hapa miranza kushona na kushuka na ili bile miranza kufanya mkarere miranza kuona sasa ninapitisha wakati na mimi nakuja hapa nayo kushona na nayo kushuka. The school has become a reporting center for crime in the community because there is more trust in the school than there is in the administration
of the local government available due to the delays and the corruption that there is in the process of getting justice. Mining precious metals brings immense wealth to the global economy. Locally, it produces suffering, poverty, and exploitation. To break this destructive cycle requires a radical rethink of how Congo should utilize its greatest resource, its people. After all, when people abandon mining for farming, they don't add much to global GDP. But these people are sustaining their families, building small businesses, and ensuring food security for the community. This place is Maisha Association. Maisha means life. It is named Maisha because most of the women were working in the mines. When they decided to come to work in the farm, they decided to totally change their life. They said they are no longer going to work in the mines, but they want to work in the farm. That's why they gave the name Maisha. Significant that we have really changed our life. We want to embrace a new life. When we came in this farm, it was just nothing. It was only full of grass. There was no life. It was really like a desert, very empty. So when we first came, most of them, they were discouraged. But the ones we remained here, they didn't give their total energy. Most of them, they are old. Others, majority are widows, but they gave their energy. They said, we are going to work. They said, we are no longer going to work in the mines because in the mines, we are digging holes. We are just finding no life there in the mines. Wakati tuko natoka mkarie, ano zavon kite la karie, tunakuta pa nyumba moja hivi pembeni ya katolika tunakuta hapa kwa pastel. Nous avons trouvé sur une maison, on avait écrit un bon pastel. Quand nous avons posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe, on nous a dit qu'il y a des sœurs qui sont venues encadrer les personnes qui travaillent dans des carrières. Kweli tulipata paka michi, kilikuwa kiote paka michi. Vraiment, avec les arbres. Tulikuwa na mateso mingi. Nous avions beaucoup de souffrance. Baritujia mashoka ba maser. Elles nous ont acheté les haches. Tunaanza kukata michi. On commençait à couper les arbres. Tunaanza kurima shi wenyewe. On commençait à cultiver nous-mêmes. Tulipata ko kaloko. Nous avions eu juste un petit rien. Pakusema hii mwaka. Cette année, tunajiforce tena. Nous sommes forcés. Tunaangaria. Nous voyons qu'il y a quand même une amélioration. Tunaangaria mukarrière tunaanza kwenda. Nous comparons à la carrière où nous partions. Kumbi tunaanza kupitisha wakati. C'est un passe-temps. Naonesha mloko yangu. Je vis à ma petite sœur. Yes, a tout enda tena ku carrière. Et nous n'allons plus désormais aller à la carrière. Il est né nous tulikuta pale. Ce que nous avons in 2013, ground was broken on what would become Maisha Farm, a cooperative farm program. Within 2 years, 54 families were working the land, earning an income. Maisha Farm members reinvested more than $1,500 in profits into the program in the first year. The biggest sellers were fish and poultry. Cette année, on a effectué au moins 6 hectares de maïs, à part la culture maraîchère. On s'est quand même forcé, comme on est là en tant que technicien, on leur prodiguait des conseils techniques. Et voilà, cette année, ce qu'on a fait de meilleur. The yield in year one, thousands of kilograms of maize, tomatoes, spinach, cabbage, cucumbers, and Chinese cabbage. 13 young men operate the farm's aquaculture enterprise, raising enough fish and income to benefit 104 community members. À partir de 6 mois, alors les tilapias sont déjà prêts pour la vente.
Alors, partant de ce que nous avons un pays, nous avons vu, c'était dans 6 mois où l'on a gagné le tilapia, on a mangé le tilapia. Alors, c'était le tilapia là appréciable. Tout le monde dans la cité, ils ont apprécié un peu le travail que nous avons fourni. The expected fish harvest in year one, 1,500 fish. Anticipated income from fish sales, $1,099. When you meet them by the room, the women are very happy, they find life here. Now they work together. The tribe is no longer the barrier, but it is a source of enrichment. They don't focus anymore of where I come from. And I say most of them identify themselves with the project. Like the ones in the farm, they say, we are Maisha members. The ones in the school, they say, we are born pastor parent. The women in the training center, they say, we are women of born pastor training center. 2 dozen men and women partake in personal finance and savings instruction. An additional 42 members receive 96 hours of leadership training. We are like brothers, we are like sisters, and if one of us has a problem, it is a problem for all of us, not only one person. And this has really given us a lot of hope, a lot of courage. We really see future. In the future, everything is going to change. It's taken less than 3 years to deliver sweeping change in this part of the Congo. Nearly 1,000 students, scores of apprentice women, and newly trained farmers are building a new community in Kanina, a new life outside the mines. From here, their story continues, and a new story begins.